Yo les dragons, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Donc avant de débuter la vidéo, on va vous présenter un produit qu'on nous a envoyé pour qu'on le teste. Donc c'est Chassis Premium. Voilà, Chassis Premium. Donc in English, chassis, you know, but là c'est in French. Donc Chassis, c'est un produit, tout simplement, c'est de la poudre. La poudre pour le corps, pour lutter contre la transpiration, l'odeur et le frottement. Donc j'ai pris mes notes les gars, parce qu'on ne connaît pas le produit, on l'a reçu, on va le tester. Donc c'est un produit qui garantit d'être au sec, c'est sans produit chimique, sans talc et c'est hydrophobe. Donc hydrophobe ça veut dire que ça éloigne l'eau, donc on reste sec. Donc c'est rempli d'extrait de plantes et puis ça comprend du bicarbonate pour chasser les mauvaises odeurs. En gros, ça c'est pour les parties intimes et pour les aisselles, pour pas transpirer. Éviter les irritations, toutes les choses comme ça. Vous savez, des fois, on a des petits boutons et tout ça. C'est ça, et pour sentir bon, tout simplement. Ouais, pour ceux qui transpirent vraiment beaucoup la journée, souvent des chemises, des choses comme ça au bureau. C'est pas voilà, les auréoles et tout, je pense que ça vous évite si vous ne transpirez pas des aisselles. Donc nous, on va le tester, hein, parce que on connaît pas le produit. On nous a contacté, on a dit, on s'est dit, bah, pourquoi pas, on va le tester, puis on va le filmer. Donc là, avant de faire notre séance, on va en mettre, tout simplement. Voilà. Joe, tu commences ou je commence? Ouais, tu commences. Donc on en met un petit peu là, voilà. Bon là j'en mets un peu partout parce que je suis pas doué, mais ça s'enlève. C'est comme de la poudre pour bébé en fait. Voilà. Et là, PS, on est à froid, on n'est pas congestionné, là on triche pas. Ouais les gars, parce que... Après je sais pas c'est quoi la... Je connais pas la dose qu'il faut mettre, mais bon. Un petit peu. Après, si ça tombe là, vous voyez, regarde, ça part vite. Ça fait pas de tâche, même sur les fringues. Ah mais c'est vrai que pour ceux qui sont au travail toute la journée, qui transpirent. Pas mal, ça sent bon. Tout en ce moment, il fait chaud. Donc là, on s'est dit qu'on va le filmer, puis bah normal pour vous parler du produit. Donc comme ça, on en a mis avant d'aller s'entraîner, et après on vous donnera notre ressenti là-dessus. Ok les gars. Donc ça peut être pas mal, hein, parce que des fois, moi par exemple, je me rase les aisselles, je mets mon déo, ça me pique, ça me picote. Même sur la partie intime, des fois, vous avez des frottements avec le caleçon, vous avez des petits boutons et tout par rapport à pour ceux qui se rasent. Parce qu'il y en a qui se rasent pas ou il y en a qui s'épilent, bref. Et je pense que ça, c'est une bonne alternative pour pas, bah, pour pas être irrité, tout simplement. Donc on va tester. Si vous avez problème d'odeur, vous trouvez pas de déodorant, bah allez tester celui-là. Ouais, c'est ça. Donc nous, on va le tester. On vous dira franchement tout à l'heure si c'est efficace ou pas. Enfin, si on a eu des bons ressentis, si on est resté sec. Parce que normalement, tu dois rester sec et puis avoir un effet un peu. C'est genre désagréable. Ouais, comme quoi t'es au frais quoi. Voilà. Bon, allez, vas-y, voilà. C'est parti. Allez. Yo yo yo. Bon, ouais. Y'a quelqu'un qui est de retour. Ouais, ça fait longtemps. Hein. Ah, il a maigri, hein. Ouais. Non, c'est pas vrai. Donc voilà, ça fait plaisir. Max, il est de retour. Du coup, on s'est dit, bon, à la base, on devait filmer. Et on devait déjà filmer une séance tous les deux. Et vu que lui, il est là, et ben, il va faire la séance avec nous. Normal. On va se faire une séance. Alors, on va faire quoi? Pecdo. Pecdo en Super 7. Ouais. Pecdo en Super 7, je crois qu'on. Je sais pas si on l'a déjà fait. Non, une on va faire que des Super 7. Que des Super 7. Ouais, du début à la fin. Intensité, explosivité, abdos à la hypertrophie, etc. 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 Bref, voilà les docteurs, ça nous fait plaisir. Bon, on le voit plus trop en ce moment parce qu'il s'entraîne dans une autre salle qui est plus proche de chez lui. Lui, à cause de nous, parce qu'à l'époque, vu qu'on s'était fait partir. À cause d'une erreur de justice. Voilà, donc voilà, c'est ça, on a dû faire un transfert de salle, etc. Ouais. Et du coup, lui, il est resté là-bas. Ah ouais, voilà. Il m'a abandonné. Voilà. Ah, je l'ai suivi. Ouais. Hein. Après, vous repartez ici. Ouais, non, mais c'est vrai quand tu ouais, c'est vrai l'histoire, parce qu'on est parti. C'est soit vous nous suivez, soit on voulait. Et on est revenu, mais il n'est pas revenu avec nous, donc il va peut-être revenir plus tard, s'il y a des changements. Ouais. On verra, sinon il tourne avec les deux, hein. Nous, c'est ce qu'on fait. Ouais. Tu me payes mon abonnement. Oh, voilà. À 100 000 abonnés, je lui paye. 100 000 abonnés, je lui paye son abonnement. Si à 100 000 abonnés, je lui paye son abonnement. Ça se voit que t'es pas sec là. Ça se voit que je suis pas sec. Ouais. Un peu de bordel. Ouais, c'est vite fait, hein. Ouais. Bon les gars, premier exercice, premier super set. Développé, halter, à plat, enchaîné avec une machine là-bas à Wing. Une machine qu'on apprécie beaucoup, qui nous fait penser aux Américains.
à City Fletcher, à McRachin, etc. Là, on va faire 4 séries. 4 séries entre 8 et 10. On va quand même mettre lourd. Et on va prendre le temps de récup, c'est le temps qu'on tous les 3. Voilà, les gars. Prochain exo, donc super set toujours, un clean press, donc là sur Technogym, et on va enchaîner tirage, appareil, la toute zone, cette machine là, la machine sans vous allez voir son image, ça on reste toujours en 10-10, ouais voilà, série 10, 8-10 c'est bien, voilà. Bon les gars, troisième super set, écarté aux haltères, bon à plat, ok, ça c'est un truc de base, hein, c'est un exercice de base, nickel, ça me fait penser à Arnold à l'époque. Et là le deuxième exercice de dos, c'est Max qui va nous dire ce qu'on fait à la poulie, moi je le fais jamais, Joe je pense qu'il le fait jamais aussi, tiens montre-nous le un peu ton exo, il a des bonnes sensations avec. Ouais c'est comme un rowing, c'est comme le rowing là-bas en fait. Comme un tirage horizontal un peu quoi. Debout, hein, ouais, c'est plus adapté. Quoi. Voilà. Ok. Sinon, on peut vraiment choisir la l'angle que tu veux quoi. Ouais. Ça marche. Donc, c'est ça le super set. On reste toujours en série 10. C'est 4 séries de 10 à chaque fois. Ok. 10-10 de chaque aiguille. Voilà. Bah oui. Quoi? C'est quoi que tu tournes à quoi en ce moment, Newt? Hein?
C'est quoi que tu tournes en ce moment? Contre ton biceps. Grillé, et voilà. Il a un abcès, voilà. Il a un abcès. J'ai toujours dit que le double dragon, c'est le char. Je le sens trop, je le sens trop sucré. Allez, on rewind. N'hésite pas à t'asseoir à 90 mètres. C'est toi. Voilà. Hey, j'ai fait une en billard. Allez, là tu vas sentir un peu les deux. Ah. On fait quoi là, dernier superset? Là, on va faire des écartés à la pluie pour le haut. Ah ouais, ça j'aime bien. Voilà. Et pour le dos? Pour le dos, on isole, hein, c'est ça? Ou tu fais le truc que tu veux faire? Non, vas-y, on fait celui-là, tranquille. Et c'est quoi? C'est quoi le nom? Là, je peux pas te dire. Bah, il y en a du pullover, d'autres pullover à corps, ouais, d'autres. Ah, si, ouais, pullover, c'est le même délire, mais. Ouais, voilà. Je sais pas comment on l'appelle exactement, mais. Pour moi, le pullover, t'es allongé, et puis voilà, tu vois. Ouais, ça. Voilà, ou les pull down, en English, il me semble ouais, que c'est ouais, ça. Ouais, c'est parti. Allez, bon, l'heure. Non, le secret de cet exercice, ouais. Tout réside dans le fessier. Ouais. Pour sortir les fesses comme les fit girls. Premier exercice, abdos, haltères. On vient là, on descend, on bouge pas. 1, 2. Voilà, c'est la technique pour avoir les épaules en même temps 4, de notre coco. 5, on voit les abdos. Il pète un câble. Non, mais sérieux, là. Eh, juste 10, c'est facile. Sans toucher les. Non, mets-le là, tends ici, tu touches pas la cuisse. De quoi, tends-le? Voilà, ici, non, sans toucher la cuisse. Et après, tu montes, allez, 1, 2, tends ton bras. Ah ouais, il y a un peu lourd là pour tendre mon bras. Bon. Bah arrête frère, il y a 6, je croyais que t'étais fort. Bah pas des épaules, je suis pas chargé comme toi. Tu vas à 10. À 20 quoi du coup. Non, 10. C'est pour ça que c'est facile. Côté. Ouais, c'est court. Ok, il joue le malin avec ses pecs et puis là, il n'a même pas poussé les potes 5, 6. Ah, ça va mieux quand c'est plus léger. Ah bah oui. Là, il n'y a rien aussi. Ça reste propre. Hein. J'ai pas envie d'avoir les, tu sais, les épaules trop à l'aise, tu vois. Oh, il n'y a pas de risque. Avec ta génétique de femme, il n'y a pas de testostérone. Bah ouais, génétique de meuf, pour ça j'ai des ins. Ouais, bah, mais j'ai pas de boule. Dernière, après comme ça on va changer.
Go. Go, prochain exercice. Touche tous avec les haltères. Vas-y, montre-nous, ça sera plus simple. Ici, on touche, on écarte sans toucher et on revient. C'est bien, ça rappelle sur les pecs. On fait pas ça, on fait pas ça, plier et on balance. Si on reste tendu, ici on touche, on écarte, on touche. Des exercices à l'époque, ils faisaient de la bagarre. Coordination. Allez, allez. Et bras courts. Cool, hein. J'ai monté où, de toute façon. Juste essayer d'avoir les jambes à 90, c'est tout. 10 après minute. Ça sert à rien le petit à coup, là, je sens rien, gros. Bah, c'est ouf, bah, c'est normal ce que tu redescends pas tes épaules. Redescends-les quand tu redescends. Redescends. Et tu remontes. Mais c'est la merde. Rien. Allez, allez, dégage. Mais gros, putain. Le numéro 30. Alors lui, faut qu'il réfléchisse déjà. Ah ouais. Il donne le mauvais truc déjà. Voilà. Descends tes jambes quand tu descends. Sans toucher le sol. Voilà. Vite, tu vas bien chercher. Non, mais faut être trop... Il faut de la coordination, tu vois. C'est bien, ça travaille la coordination, tu vois. Je m'en bats les couilles de la coordination, mais t'en as besoin. Pour le travail. Sur une mobilette. En fait, je le sens quand je vais chercher en haut, quoi. Mais il faut souffler, sinon tu le sens pas. Alors. Voilà, comme ça. Là, t'es bien. Enfin, sur l'exercice. Et là, boum. Voilà. Ah, mais c'est moi, il n'y a que mes. Tu sais, ça ne travaille pas les abdos, tu vois. Pense rapide, pense rapide. Souffle. T'as oublié de monter. Souffle, monte. Donc là, on va faire un exercice où Max est le plus à l'aise parce que l'autre exercice, il n'y arrivait pas. Il n'arrivait pas à sentir la contraction. En fait, il n'y avait pas la souplesse pour aller bien chercher au plafond sur le mouvement. Et là, comme ça, il va moins chercher en haut. Voilà, il va plus chercher. Vous voyez, il va pas chercher haut ici. Il va chercher un demi-cercle. Voilà, du coup, il arrive mieux, il a plus de sensations. Ah, carrément. Il va falloir s'étirer, mon titi. Hein. Le syndrome de la boule. Après, il a pas envie de travailler sa souplesse. Non, c'est vrai. Sa mobilité. Je l'admets. Moi, il l'admet. Et c'est pas un tort. Pas un tort, j'ai pas envie. Chacun ses choix. A chaque fois il dit ça de toute façon. Ah, t'avais envie d'envie de t-shirt. Allez, montre-nous ton physique actuel. On le voit pas beaucoup en ce moment. Ouais. Moi je mets des habits, je me prostitue. Allez, fais la pause. Allez, mais. Oula, les épaules qui ressortent là. Donc là, je suis à 82 kg. Pour 1m80. Et je pousse plus trop de la fonte, c'est plus du cardio. Donc voilà. Je vais paraître maigre côté des bodybuilders, mais. Non, tu parais pas mec du tout. Allez, monte ton. Attends, je tourne autour de toi pour qu'on voie un peu tout. Le dos. Allez, fais une pause de dos, voir. Un double biceps. Ouais, il est signé. Mais vous regardez bien, il a pas beaucoup d'épaisseur. Vas-y, laisse ouais. Toi, je me... Syndrome du poster. Ah, la plupart des bodybuilders ont une putain d'épaisseur. C'est ça. C'est bien, bon, au moins t'es trapé. Toi, tu fais 1m combien en ce moment? Bah, comme d'habitude, 1m70 de film. Et t'as combien de kilos en ce moment? Là, je suis à 84. Ah ouais, depuis plus 14. 68. Tu nous montres ou pas ta shape ou pas? Vas-y, on s'en branle, allez. On n'est pas des fake, nous. Il est lourd, mais du coup il est fat. Mais il est pas souple. Ouais, il est pas souple. Ah, il est un peu fat, hein. Après lui.
Faut savoir que c'est sa génétique, hein. Il ouais, est pas fait pour être sec. Ouais, il est pas fait pour être taillé en V. Mais il est bien encore. C'est un gars. Ah, ça va le dos là. Le dos, ça va. Après, ça reste. C'est la sangle abdominale où t'as pris. Parce que nous, je vous mettrai son Instagram, vous allez voir sur son Insta, il y a des photos quand il était super sec. Quand il a fait 15 kilos en moins. Ouais, il avait fait une putain de sèche, il a souffert. Et voilà quoi. Et t'es allez bien. À toi. Comme dirait certains, le chinois pour la fin. Donc moi en ce moment je suis à 72,5. Je tourne entre 72 et 73 pour 1m72, voilà. Donc ça c'est devant. T'es un peu entre nous en fait, un peu sec et un peu. Ouais, je suis entre les deux, je crois. Je suis de la rétention d'eau moi. Du coup. Donc voilà. Ouais, c'est pas de... Vous voyez, il n'y a pas d'épaisseur. Le dos. Tatouche pour cacher les défauts. Ouais, c'est ça. Bon, quand les cochons, on fait ça, on sort les épaules. Oh, ça va. Franchement. Je sais donc. Sel, c'est bon. Ouais, j'aimerais bien être un peu plus sec, mais ça. Je pourrais, mais ça serait plus dur et chiant, quoi. Donc voilà. Vas-y, on va se mettre sur le miroir pour finir, les gars. Donc. Mais là, Max. On n'a jamais fait une fin comme ça. Ouais, c'est vrai. Pour ça, vu que là, on peut pas le poser. Ouais. Donc ça nous a fait plaisir d'être avec Max le poteau. Ça faisait gros. Bah ouais, nous on s'est mis il y a 2 mois, je vous faisais un an. Ouais. Pourtant on habite la même ville, hein. Mais on n'est plus dans la même salle, on est. Enfin on habite la même ville, t'habites pas dans la même ville que ouais, nous. Ouais mais j'ai un rang pour m'entraîner quoi. Voilà. C'est donc, ça. Ouais. Donc les gars. Toujours pareil. Au fait, tiens, notre le produit là. Ah oui. La poudre. Bon Newton, résultat. Lève les bras. Il n'y a c'est pas de transpiration. Non, bon. Franchement, même là, je touche en tout, c'est encore sec. Non, mais moi, je le sens. Moi, je te jure. Bah, regarde, touche. Honnêtement, frère. J'ai pas envie de toucher. Non, mais touche mes couilles. Tiens, t'as bien aimé. Vas-y, touche mon cul aussi. T'es prêt à toucher. Non, ouais, ça va, on dirait que c'est sec. Maintenant, mets la langue. Non mais voilà, franchement, ouais, puis pas d'odeur, hein. Bah après, pourtant d'habitude il pue. Hein. Ouais, et toi, non, moi ça va, franchement j'ai pas... Pourtant on a fait Super 7, on a quand même mis de l'intensité. Ouais, on a mis de l'intensité, Super 7 et tout. Abdo. Donc voilà, c'est ça, je vous montre, châssis. Donc en fait aussi, j'ai oublié de dire, ils font pas que de la poudre, ils font aussi le gel douche. Donc le gel douche, je pense qu'on va l'essayer, hein. On va demander qu'ils nous passent du gel douche. Donc gel douche associé à ça, voilà. Soin pour homme, hygiène intime. Pure Premium. Si vous voulez tester, testez. Si vous voulez pas tester, bah ne testez pas. Voilà, ça on vous montre de près. Ça ressemble à ça. Tiens, rapproche-toi. Donc, châssis, les gars, on met le lien, c'est sur Amazon, vous pouvez le check. On va mettre aussi le lien de l'Instagram, châssis men, un truc comme ça, je sais plus c'est quoi exactement. Ouais, je vais vous mettre là. Comme ça, vous allez checker. Et vous allez tester, si ça vous intéresse de tester, testez-nous. Bah, du coup, on va finir ce qu'on a eu, hein, comme échantillon. Ouais, c'est ça. Donc, on va le tester. Et pour l'instant, c'est un côté positif. Donc, on est antitranspirant, ouais. Odeur, ouais. Irritation, zéro. Ah, sauf là, ça, c'est un bouton moustique, les gars. Hein. Okay. Donc, voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Mettez un pouce. Un pouce pour Max, allez suivre son Instagram. Il est comme pas... d'habitude. Hein. Allez voir ses photos sur Instagram quand il était sec, vous allez voir. Ouais. Là, vous allez pouvoir parler, blablabla, blablabla, pour tous les haters. Comme d'habitude, les codes Riderware, voilà. QNT, S-Protein aussi. Voilà. Allez visiter, faire un petit tour pour ceux qui sont dans. C'est une boutique, il y a du QNT, puis il y a tout. Vous avez moins 10% voilà. Sur toute la boutique. Le code est actif en plus maintenant. Voilà, vous avez le code Maxouf si vous voulez son corps quand il était sur Instagram. Je suis très bien là, les deux. Donc voilà. Tranquille. Bon, sur ce, on se laisse là et on vous dit juste no fake, juste training.